Yeah.
Le peuple ici va m'obliger à beaucoup travailler ce soir. Djidjo, Maka, Mao. Et c'est comme si son pied est enflé. Je le vois dans le reste spirituel, son pied est enflé.
Et les pieds sont comme si de, c'est comme si c'est éléphanteau. Yes. Ah, parle si gobo taille à nous mener. Oh. Éléphanteau, c'est dit, c'est comme un ver. Mm-hmm. C'est vous, venez. My God. Aïe 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 aïe. Jésus. Aïe aïe aïe. Verticalisation. Donne-moi une chaise. Maintenant, ma zigue. C'est le moment de la délivrance, prophétie en même temps. Jesus. Le nom de Dieu, le prophète offre dans ce temps. Le bidonge select. Le seul, le méritus d'Afrique. Pliez-moi ça, je vais voir le mieux. Mais t'avons un idée. Je n'ai bien pas foi. Et on y est pas les mains. Asseyez-vous. Procédez à cette guérison par l'onction de Dieu. Ça a commencé depuis quand, maman? Tu as quand même eu à dire comment? Étant jeune et quoi vécu? Ah, avec deux ans. Deux ans. Oui. Vous avez été à l'hôpital? Combien? Et là, et t'as été en douleur, ton wawa. On nous choque mal, ton corps a fumé et il a encore on dit. Ils ont tout fait.
sans la solution. Sois mauvaise, oui. Oh, papa, madabada. Je commande maintenant. Par le nom de Jésus. Les yeux font comme eux. Maintenant, lâche ce pied. Amen. Lâche ce corps. Amen. Lâche. 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 Donne-moi l'eau. Maintenant. Oh, de papa, l'ancien de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 4, son chapitre, Jean chapitre 4, verset 14, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Il a la source de vie, le Dieu de la guérison, et par la maîtrise de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Par cette eau, nom de Dieu, en train de communiquer la vie au pied de maman. Je te tue, le Dieu. Amen. Je te tue, Amen. Je te tue, Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Regardez l'onction de Dieu, les anges de Dieu en action. C'est la guérison. Tes pleurs sont terminés. Amen. Oh, my God. Ouvre ta bouche. Amen. Évoquez-nous. Partout où vous êtes actuellement, soyez connectés à cette onction. Famille. À l'onction de la guérison qui coule sur la terre de la transfiguration. Famille. Nous sommes avec le prophète des nations, le prophète Ophré de Soba. Jesus. Holy Ghost. Notez. On en va vous lever. Jitéja. Regardez. Regardez. La praticalisation. L'onction de la guérison. Il est le Dieu des cas impossibles. Oui. Power. Holy Ghost. Le Dieu des cas impossibles. Devant qui est tout genou fléchi. Et tout le monde confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu de la guérison. Il avait son Seigneur, Jésus, Jésus, powerful, power, aïe, aïe, aïe. L'onction de la guérison, l'onction de la guérison en action. Rien n'est impossible à notre Dieu, soit comme était seulement Jésus-Christ. Et Dieu va dire un seul mot dans votre vie. Le Seigneur est en train de dire un mot dans la vie de cette maman. Il est en train de mettre fin à sa souffrance, à ses pleurs, ses cris de cœur. Je donne 45 jours. Oh my God. Je donne 45 jours. Yes. Je donne 45 jours. Oh my God. Non, quelque blague n'est pas je donne 45 jours. Non, quelque blague n'est pas tant. Tu disparais tout. Amen. 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 Au nom de Jésus. Elle a tout sa santé. Amen. Amen. Va, y et prospère. Amen. Amen. Comment tu te sens? Oh, et nous avons allé sur comme. Ah! Les gars, quoi, faut être père. Après, père. Les gars, belle. Et nous avons. Et c'est bien. On va voir. On va voir. Et reviens témoigner au nom de Jésus. Amen. On va parler de la célébration. Yes, le nom de la fille, tu as fait successivement deux fausses couches. Et faut que l'on t'ose deux fausses couches. Et okay. Qui est parti maintenant et il va gagner le premier. Le premier. Il faut garder trois mois. Et le titre, ton père est parti. Et le second, Zivigon, a fait quatre mois. Et faut avoir le titre, baguette. Trois jours. L'été n'est pas que ton père s'est parti encore. Il est fort bailli. Viens, Elenia de me va. Si tu es là, viens. Ton bébé, ils sont quand ils sont sérieux. Elenia de me va. Si tu as honte, ça fait ton problème. N'aime pas le roi, quand on t'a. Ado, à quoi il y a un peu assuré. Deux raisons. Ah ouais, Azéa. Raisons. Amen. Successivement deux fausses couches. Et faut gagner aux éveils. Prophet Samuel, the man of God. La brise Sakata. Aha. Jesus. Celle dont l'esprit me parle, ce n'est pas celle-ci.
Ce n'est pas celle-ci. Mais tant. C'est le jeu de la libération. C'est le jeu, pas tous les jeux. Tu as fait deux fois. Il faut que nous y viennes. Do something. Est-ce que je peux détecter la personne? Daddy, oui, papa. Tu es le détecteur depuis ta naissance. Vous avez cette grâce. Dans l'ensemble de Dieu, il peut te partager seulement ta vie. Quand je parle, yes, daddy, je vois quelqu'un comme frère ou bien mari Jean. Jean. Toi, ton petit frère, c'est Jean. Oui. Jean. Étant un bébé, Jean. Ok. Ça va être deux. Celle dont je parle, a besoin de bébé. Elle est réellement, réellement. Elle est divine, Tu as d'enfants? Et viens là-dessus. Tu as d'enfants? Oui. Tu as d'enfants? Oui. Tu as d'enfants? Non. Tu as d'enfants? Oui. Tu as d'enfants? Non. Ça veut dire... Les autres, allez-y. Aïe, 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 je n'acclame pas mon Jésus. Acclame Jésus. Après l'évaluation, c'est les deux qui sont retenus. C'est ça, oui. L'évaluation prophétique, il faut noter en cas. C'est ça. Est-ce que je peux donner aux deux? Bradi, il faut donner. Papa, donnez à la légende de Dieu, il faut donner. Vous avez cette grâce. Donnez-le ça seulement. Fata. Parce que je vois des bébés en panier. Regarde-moi. Praticalisation. Opération divine. Sans ciseaux et sans lame. Opération divine. Regardez un peu. Les trompes sont très de Mon chien de Dieu. Michael, anointing of God. Après juste la prophétie. Juste après la prophétie, c'est le moment de la délivrance pour briser toute malédiction, pour briser toujours qu'il empêche de tomber enceinte parce qu'elle a été localisée par la notion de la prophétie. L'onction est disponible. Partout vous nous regardez actuellement, soyez connectés à cette grâce et recevez. Regarde-moi. Ancien de Dieu, ancien de tout. Le transfert, ça a marché. Pourquoi tu regardes comme ça? Ta téléphone. C'est comme si tu as besoin de faire quelque chose. Oh, si tu viens de me Jesus. Ancien de Dieu. Ancien de la délivrance. Opération divine.
Sans ciseaux et sans lame. Tu détruis les infections maintenant. Amen. Béni, Yogata, Bilé, relevez la chute. Ton mauvais esprit, relevez sa savon. Sois, Togo. Amen. Puis tes bagages, sois. Pour ta banane, Togo. Jesus. Go, Jesus. Sois, Togo. Power. Relevez la chute. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Regarde-moi. Pas rien, vous m'avez. Prends ton bébé. Envie de ce monstre réussi. Marie, c'est la chérie. Et toi, je suis moi, je suis moi, je suis moi. Amen. Bien aimé, yes, on va rentrer dedans tout à l'heure. Amen. Bien aimé, le thème de ce programme est intitulé Seigneur, dis un seul mot dans ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire quelque chose dans le livre de Marc, chapitre 4, Marc, le verset 35 au 39e verset. Je lis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Amen. 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 Il menaça le vent et la mer et dit, silence, tais-toi. Et les deux se sont calmés. Oui. Et il y a eu de silence. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle de notre Seigneur Jésus et ses disciples. Le Seigneur Jésus, il a enseigné et il a donné plusieurs paraboles jusqu'au soir. Et maintenant, il a voulu aller dans une autre contrée pour aller ramener les âmes à Jésus. Mais il y avait plusieurs personnes. Parce que la Bible dit, partout Jésus-Christ allait, il y avait de grandes foules qui l'entouraient. Ça veut dire que s'il y a Jésus quelque part, il doit avoir du monde. Et c'est comme ça, il a sélectionné ses disciples. Bien aimé, il y avait plusieurs personnes. C'est comme si nous sommes ici. Et je suis en train d'enseigner, juste à un niveau donné. Il dit, toi, suivez-moi. Et j'ai délaissé le reste. Est-ce que les gens seront contents? Non, papa. Même si vous êtes contents de moi, ceux-là que j'ai sélectionnés, vous serez mécontents d'eux. Parce que quelqu'un parmi vous peut envisager cette même place. Et je peux prendre le frère consanguin de quelqu'un et délaisser l'autre. Donc certaines personnes seront mécontents. Et il les a sélectionnés. Il a pris la route. Et il dit, passons à l'autre bord. Il dit qu'ils sont un côté du rire. Et il faut aller de l'autre côté dans une autre contrée. Et la Bible dit, il y avait des barques. Et il a sélectionné, il a pris une barque. Et les disciples sont entrés dedans. Lui-même étant fatigué du travail qu'il avait fait, il doit maintenant se reposer. Et il s'est couché derrière, dans le coussin. Derrière, au fin fond. Et on n'allait rien sentir. Et là, il dormait profondément. Quelques minutes, lorsqu'ils sont venus au beau milieu, la Bible dit, un vent impétueux s'est levé. Une tempête a commencé par souffler. Et la tempête ici voulait les emporter. La tempête ici amenait l'eau à envahir la barque. L'eau remplissait. Les disciples ont commencé par évacuer l'eau. À un niveau donné, le vent les amenait à prendre une autre direction. Les disciples ont commencé par crier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui veut arriver? Allons nous suivre Jésus, mettra et mourir ici. Ils ont oublié Jésus. Ils ont oublié le miracle d'hier. Ils ont oublié la guérison de tout à l'heure. Ils ont oublié le fruit des entrailles de l'autre il y a 20 ans. Ils ont oublié ce qui se passait. Où Jésus calmait cela facilement. C'est comme quelqu'un qui est venu ce soir. Il a vu Dieu travailler. Mais il a oublié ça. Parce qu'il y a un petit problème. Il agit dans son couple. Il y a un petit vent. Il est levé dans son couple. Il dit maintenant comment je vais faire. La vie est ici. Ils ont commencé par crier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons mourir ici. Ils ont oublié Jésus. Ils ont oublié le maître. Leur problème, c'est comment faire pour se sauver. Il y avait l'apôtre Pierre. Il y a lui là qui avait une voix inébranlable. Dans cette situation, sa foi n'est plus en place. C'est comme ici maintenant. Nous sommes ici. Et on attend tôt sur la toiture. Tu vas faire comme ça. Oui, il parle. Mais quand venir attaquer la tête du prophète, même la femme du prophète ne va pas faire ça au prophète. La femme du prophète aussi va faire comme ça. On va oublier nos enfants. Donc c'était ça. La mort est venue. Ils ont oublié la foi. Ils ont oublié la prière. Ils ont oublié
Jésus. Ils ont oublié Dieu. Notre force. Et ça, ils ont commencé par déployer. Yeah. Mets la main dans le Seigneur. Quelqu'un a utilisé sa force plusieurs années. Mais laisse-moi te dire, 5 minutes, qui va suivre maintenant. Ça là, ça va disparaître. Beaucoup de gens, lorsqu'il y a une petite situation, on ne pense pas à Dieu, mais on pense à sa force. Lorsque l'argent commence pas finir, les relations commencent pas à te délaisser. Mais en ce moment, on dit, hey, il faut que je trouve maintenant un secours. Il faut que je cherche quelqu'un pour pouvoir. Voici lui, il peut m'aider. Viens le mettre dans le Seigneur. Chaque personne a un temps où un vent souffle dans sa vie. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste. Il y a un moment, même si tu as Jésus, il y a un moment où un vent souffle. Si ce vent souffle, laisse-moi te dire, ta force ne peut pas. Les disciples ont tout fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais bien, il doit y avoir parmi les disciples qui vont dire, j'ai délaissé mes enfants. Ouais. Comme les Africains, ils ne prennent pas la Méditerranée pour pouvoir aller en Europe. Au moment où vous êtes dans le bateau, vous êtes en train de partir, vous êtes dans la pirogue, tu diras, j'irai et je vais revenir. Là, dans quelques années, il suffit que mes pieds tombent en Europe, je vais tout faire. Mais quand vous êtes au fin fond de la mer, de l'océan, et que le vent a commencé, et on a commencé à dire, chacun va se sauver. Il y aura des gens qui vont faire pipi en même temps. Parce qu'il n'a jamais pris à l'eau. Lui ne sait même pas comment mettre pied dans l'arc. Il y aura des gens qui disent, hey, mon garçon, on est orphelin comme ça. Il y aura des gens qui disent, oh, ma maman a trop souffert. Après tous ces diplômes, maintenant je meurs dans l'océan. Quand ils ont cherché les lames, ils n'ont pas trouvé. Donc chacun va se plonger dans l'eau, commencer par nager. Tu vas nager pour combien de minutes? Il peut y avoir un requin là qui va te prendre rapidement. Les gens commençaient par crier. Comment on va faire? Lorsqu'ils quittaient leur frère, ils sont avec le bord. Ils sont eux. Avant qu'on le voit Jésus, on doit voir l'apôtre Pierre. On doit voir l'apôtre Jean. C'est le protocole de Jésus. Et ils se gonflaient. Ben, ce sont eux. Oui, c'est ça. Et eux, tu dois voir dans leur famille. Ils seraient en train de dire. Et là, ils sont partis. Parce qu'ils sont avec le bord. Donc, la puissance là, c'est bon. Parce que rien ne retenait Jésus. Jésus surmontait toutes choses. Écoute-moi. Depuis que tu es entré sur cette terre, tu as traversé beaucoup de choses. Mais actuellement, il y a quelque chose qui n'arrive pas à traverser. C'est comme une femme qui se trouve dans son couple. Il y a une mission. Bientôt, mon mari sera bien. Je serai bien avec lui. Et les deux sont ensemble. La femme souffre. Le mari aussi se cherche. Juste à un niveau donné. Le mari dit maintenant, madame, je vais prendre une autre femme. Quelle femme peut accepter? Que tu aimes ou pas, tu ne vas pas accepter. Ou bien on dit, une situation est venue. Et on dit que mon mari va prendre une autre femme ou pas obligation. Peut-être tu es malade. Peut-être c'est à cause d'une situation. Laisse-moi te dire. Et le mettre dans le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui a payé sa voiture. Et il est en route. Il allait. Il a payé la voiture. Il n'a même pas fait deux semaines. Il a pris la route de Cotonou pour Togame. Et le pont de Togame a dit, monsieur, je prends la voiture chez toi. Et il est tombé dedans. Et c'est fini. La voiture est devenue pièce détachée. Viens la mettre dans le Seigneur. Beaucoup de gens traversent des situations. Et c'est des vents impétueux. Mais c'est en fait qu'ils souffrent dans leur vie. Ils cherchent des solutions, ils ne trouvent pas. Laisse-moi te dire, ce soir, c'est ton jour de solution. Et lorsqu'ils sont, ils ont fait fatiguer, ça n'a pas marché. Ils se sont maintenant rappelés de leur créateur. Viens la mettre dans le Seigneur. Parce que les disciples ont fait. Ils ont dit maintenant, allons voir. Si le maître est dedans. Ah, ils sont allés. Quelqu'un dit, les patrons ne s'agitent pas. Et c'est comme ça. Il s'est levé. Ah, ils l'ont réveillé. Il y a quoi? Mais tu nous laisses périr? Hein? Regarde ce qui se passe. Mais quand il s'est réveillé, il dit, mais pourquoi vous me dérangez? Nous voulons périr, maître. C'est ce que quelqu'un est venu dire ce soir. Écoute-moi. Akbaola ti afia. Acclame Jésus. Amen. Oma bato koudou. Amen. Je reçois ça. Il faut que quelqu'un parle sur ta vie. C'est fini. Un mot seulement. C'est fini. Un mot dans tes affaires et tu vas croire pas vendre. Un mot pour que tu entres en mariage. Un mot pour que les papiers soient débloqués. Même en France. Même en Amérique. À tout. Un mot pour que bébé entre dans ton. Amen. Un mot. Yes. Pour que la maladie disparaît pour toujours. Mais dis un mot ce soir. Et si tu n'acceptes pas, un mot va retentir. Je dis un mot ce soir. Le mot va opérer dans le ciel. Et les choses vont changer. Mais ça, écoute-moi. À partir de maintenant, quelqu'un sera respecté. Hier, quand les gens parlaient, on ne peut pas parler. Mais laisse-moi te dire, après cette prière, toi aussi tu vas commencer par parler. Et lorsque tu parles, quelqu'un dit, tout le monde tempo. Que tout le monde va te respecter. Si quelqu'un ne veut pas te respecter, le peuple va le haïr. Quelqu'un ne veut pas te respecter. Sa famille va le haïr. Son service, on va le haïr. Son marché, on va le haïr. On va le haïr. La croix du sera célébrée. La porte prière commence.
Masebadi. Seigneur Jésus, nous savons tout laisser. J'ai abandonné ma femme. Je suis un pécheur. Et te laisser là. Et t'as suivi. Maintenant, je vais mourir ici. Fais quelque chose. Et quand ils ont dit ça, nous savons tout laisser. Et parce qu'on sait que tu peux faire. Quelqu'un s'est déplacé de Cotonou. Quelqu'un s'est déplacé de Togo. Quelqu'un s'est déplacé des pays lointains. Ils sont venus ici parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu. Et ils ont délaissé leurs activités. Ils ont laissé les centres de prière. Ils ont laissé leurs églises. Ils ont laissé des emplois ils voient avant. Ils ont laissé leurs économies. Et ils sont venus ce soir. Mon problème, elle va aller au pied de Jésus. Quand ils ont dit ça, le cœur de Jésus s'est touché. Les gars, si ils ne me connaissent pas, croient que l'on peut m'apporter facilement, impossible. Ça veut dire qu'ils ne croient pas encore. Si tu as prié hier, ça n'a pas marché. C'est à cause de ta foi. Si tu n'as pas la foi, toi, ma foi va te libérer. Amen. Et dit, hé, hey, tout ce que j'ai fait, les gens là doutent encore. Écoute-moi. Si tout le monde peut croire à Jésus, on n'a pas besoin de se gêner. C'est fini. Jesus. Quand tu dis ça, c'est fini. C'est le miracle qui va se passer. Mais ce n'est plus ça. Mais laisse-moi te dire. Moi, j'ai entendu quelque chose dans mes oreilles. Et je sais que ça va s'accomplir sur toi. Amen. Il est même dans le Seigneur. Et Jésus s'est levé. Quelqu'un dit, quelqu'un s'est levé. Il n'est pas comme les autres. Quelle situation? Papa se lève. Quand il se lève comme ça, Choc. Il dit, mon ami là est déjà mort, sinon j'allais l'appeler maintenant. Telle personne, son numéro ne marche plus. Comment on va faire maintenant, mon fils? Ça veut dire que ton papa est limité. Et tu vois la maman, invité. Regardez qu'on a un fils. Mais toi seul, mon fils, c'est fini comme ça, mais plus rien. Toi seul, mon espoir. La maman va pleurer et non, la maman va donner solution. Si tu as téléphone, tu appelles l'ami. Je viens d'investir mon argent dans telle chose. Telle chose, sinon je vais te prêter, non? Si tu m'avais dit ça hier, je le mal. Ça veut dire quoi? Personne ne peut plus dire. Personne ne peut oser dire je vais donner solution. Si il y a une tempête, lorsqu'il y a une tempête, tu tiens une corde, la corde est brisée en même temps. Et tu vas devant, c'est fermé. Tu vas derrière, c'est fermé. Tu vas à droite, c'est fermé. Tu vas à gauche, c'est fermé. Je connais quelqu'un. Mais on tape à la porte. Et là, c'est votre lieu. Seul repos, ok. Jésus s'est levé. Et il voit comment la tempête soufflait. Comment il y avait de bruit. Le coup marchait pour venir voir comment ça se passe. La pirogue dandinait. Comme ça. Le regard marchait. Moi, je suis celui qui suis. Celui qui était. Celui qui t'a fait. Et toi-même. Toi, va. C'est moi ton auteur. Voilà. Je suis ton créateur. C'est moi qui passe. Laissez passer universel. Tu veux apprendre la loi? Écoutez-moi. Le vent s'agitait. Mais il ne savait pas que son créateur est dedans. T'avais dit que Jésus s'est levé. Il s'est avancé. Comme ça. Et il est venu au niveau de la mer comme ça, il voyait l'eau correctement. Entrer. Et l'eau osait frapper à ses pieds. Et le vent osait emporter ses cheveux comme ça. Hey, quel embêtement! Et il dit, toi, mer, toi, vent, calmez-vous, taisez-vous, mer, silence. C'est des mots. Il dit, vent, calme-toi. Silence. C'est un seul mot. La Bible dit, les gens qui usaient de leur force, ils ont dit, le vent a obéi, la mer a obéi, ton problème va obéir ce soir. Amen. Ton problème doit obéir. Oui. Amen. Il y a certains endroits où le démon n'ose pas opérer encore. Quand il vient là, il se calme. Et Guéare, on m'a calmé, on m'a pour radio. Beaucoup de gens pleurent. Laisse-moi te dire, les pleurs ne sont pas une solution. Mais les pleurs sont une faiblesse. Mais lorsque tu parles avec autorité, Dieu suit la parole. Et ça s'accomplit. Ce soir, le mot d'ordre que le Seigneur dira, c'est que Abba Ito. Ah, acclame Jésus. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Oh, bye bye bye. Quelqu'un dit stérilité, bye bye. Stérilité, bye bye. Tu vas dire bye bye à ton problème. Amen. Et tu ne le verras plus. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Tu peux l'affranchir. Toute situation. Toute tempête. Se lève dans ma vie. Qui se lève dans ma vie maintenant. Voilà. Disparaissez. Du silence, du silence, Je suis fatigué. Avec ma situation change maintenant.
ma vie. Il est qui veut détruire mon mariage, qui détruit ma santé, qui détruit mon travail, qui détruit mes affaires, maintenant, avant que je ne déclare, nous allons faire l'usage d'eau. Miaza et Sia. C'est tout juste après l'usage d'eau que je vais commencer à déclarer. Yes. Amen. Amen. Faites sortir l'eau en même temps. Midoto. La Bible dit, la piscine de Bethesda. Piscine de Bethesda Bessia. Il y a un âge qui vient régner l'eau. Donc Baba Boulasia. Et le malade qui entrait dedans. La première. Jenko. La première personne qui entre dedans est guérie. Son problème disparaît. Amen. Lorsque vous voulez faire les actions prophétiques, vous devez savoir interpréter les paroles prophétiques. Dis Seigneur Jésus. Me voici. À côté de la piscine. Je veux te laisser. Ma maladie. Mon problème. Dans cette piscine. Oh Dieu. Remis maintenant l'aussi dans mes mains. Transforme ça en sang de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. On doit être rapide, sinon l'onction, l'eau va casser dans la main des gens. Je prophétise dans cette zone. Je transforme ça au sang de Jésus. Dis ça sur l'eau.
frappe. Hey, ça frappe, ça frappe. Monsieur a commencé par frapper. On le tient fort. Yes. Partagez-vous dans le peuple. Dans les deux chapelles. Il va nous remercier. Seigneur, Seigneur, ceci c'est le sang. Ceci c'est le sang que je veux prendre. Que je veux prendre maintenant. Maintenant. Aussitôt ça entre dans ma vie. Aussitôt ça entre dans ma vie. Que mes fardeaux disparaissent. Que mes fardeaux disparaissent. Que mes problèmes disparaissent. Que mes problèmes disparaissent. Instantanément. Instantanément. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même ceux qui sont sur la base, vous pouvez partir prendre ça rapidement. Au nom de Jésus. C'est quand on va boire maintenant, on va pouvoir amener les gens. Jésus. Répond dans ses jours. Amen. Aïe, 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 a
Jésus, en train de couler à flot.
Hey, Elija, non, je suis parti. Non, mais allez, je suis déjà. Si la personne se trouve à l'étranger, même si la personne se trouve en Amérique, Amérique, Italie, et tu es ici, mais assis là, la personne a des problèmes. Là-bas, mais comment la solution? Mais quelle solution tu veux là? Tout esprit ici, l'autorité. On met tous un, deux, trois. Touchez-vous. Un seul mot. Le commando spirituel. Le bidosa céleste. L'unique de sa génération. Number one of the land. Dieu a déposé la clé de David sur son épaule, ce qui ouvre sa soeur. Quand il ferme, ça ferme. Quand il ordonne, ça c'est l'onction de Dieu. Jésus-Christ. Anointing of God. Jésus. Dans le sommeil. Réveillez-vous. Regardez. Tout le monde debout. Regardez-le. Milorité, je fais une réponse rapidement en masse. Il y a quatre jours de Dieu nous nommé. Ancien de Dieu. Amenez-le ici, devant ici. Sinon, ils vont tomber sur les femmes là-bas. Micro va encore vider. Anointing of God. Regardez-moi. Mais pas encore. Tout démon, tout fardeau. Tout esprit, tout fardeau. Ça part maintenant. Elle a dit amen. Vivre. Un, deux, trois. Amenez-le à la place. Acclame très fort Jésus. Holy Ghost. Quelle opération ce soir?